Salut la team! Je me trouve aujourd'hui sur Roissy Charles de Gaulle. Je fais des livraisons sur l'aéroport. Je fais une petite vidéo par ici. Ça change un peu. Fermer un petit peu l'aéroport de Roissy là. Donc là, je m'en vais sur le Ménilamlo. Et je suis dans les zones cargo là de Roissy là. Pour ceux qui connaissent un peu par ici. Et ceux qui connaissent pas, bah, vous allez découvrir un peu l'aéroport de Roissy, l'entourage de Roissy. Pas toujours évident de venir vider par ici ou charger parce que les clients sont pas faciles à trouver. Chercher du fret aérien, c'est pas facile. Tout ce qui est zone aéroportuaire. À 300 mètres, prenez le rond-point puis prenez la quatrième sortie. Prenez le rond-point puis prenez la quatrième sortie. Prenez la quatrième sortie. À 500 mètres, tournez légèrement à droite. C'est pas ici, c'est un vrai labyrinthe. On a vite fait de se paumer. La vitesse est limitée à 50 km par heure. Tournez légèrement à droite. À 300 mètres, tournez légèrement à droite sur la route de la commune. Tournez légèrement à droite. À 450 mètres, restez à droite sur la route de la commune. Restez à droite. Vous avez vu un peu les routes là? La vitesse est limitée à 30 km par heure. Les intersections partout, il n'y a pas de panneau. Là, je me guide qu'au GPS. Hein. Je vous garantis que celui qui n'a pas de GPS ici est un peu perdu.
suis passé là déjà tout à l'heure. Préparez-vous à rester à droite, à 650 mètres. Préparez-vous à rester à droite, à 690 mètres. À 300 mètres, restez à droite, sur la route de l'Épinette. Restez à droite. La vitesse est limitée à 50 km par heure. On va passer devant les bureaux d'Air France, là sur la gauche. Tous les bureaux là qu'il y a sur la gauche là, c'est les bureaux d'Air France. Je sais pas si vous voyez, sur la droite on aperçoit les avions là d'Air France. Préparez-vous à rester à droite à 800 mètres. Et les hôtels aussi. Là, on est devant les bâtiments d'Air France, à gauche. Tout ça sur la gauche, ça doit être des bureaux, je suppose. Siège social. La vitesse est limitée à 30 km par heure. Regardez, il y en a un sur la droite, là. À 300 mètres, restez à droite, dans la rue de Madrid. Ensuite, sortez à droite, du rond-point. Quand je vous disais que c'était un labyrinthe par ici, encore faut regarder dans les rétros hein, parce que autrement ça déboule de tous les côtés. Restez à droite, ensuite sortez à droite du rond-point. Calcul d'un nouvel itinéraire. Tournez légèrement à gauche dans la rue de Madrid, ensuite restez à droite dans la rue de Madrid, sortez à droite du rond-point, première sortie, prenez la première sortie rue de New York. On est dans la rue de New York. Thank you.
Regardez là, vous voyez les avions là. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, rue de la Fossette. Traversez le rond-point, deuxième sortie. À 290 mètres, tournez à droite, dans la rue des Iris. Ensuite, vous arrivez à leur destination sur votre gauche. C'était la chaîne Mister Routier 60. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, bye bye, un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!